Les épineuses questions d'insalubrité, de création d'emplois et d'embellissement de la commune de Marcory connaissent déjà un début de solution, pourrait-on dire. C'est du moins ce qui ressort du dialogue direct entre Abi Raoul, maire de la commune de Marcory, et ses administrés. Une concertation dont l'objectif majeur a été de recenser les besoins les plus pressants des populations afin d'y remédier au plus vite. Elles se réjouissent d'ailleurs de l'initiative, la première du genre. À Lieudan, sans fil, vraiment, c'est un quartier vraiment qui n'est pas reconnu. On n'a pas de caniveau. Les hôpitaux aussi, les maternités là devant, les voitures ne peuvent même pas passer pour faire rentrer les femmes qui doivent accoucher. Même quand il y a les malades, souvent il n'y a pas de médicaments. Vraiment, ils nous appelaient pour dire ce qu'on pense, on leur a dit. Marcory regorge plus d'un millier d'entreprises. Et je trouve inconcevable que nous, jeunes diplômés, on soit encore en quête d'emploi. Des préoccupations qui occupent une place de choix parmi les 15 objectifs à atteindre et 65 engagements à honorer, élaborés par le premier responsable de la commune. La vérité, nous travaillons pour ces populations-là. Donc nous sommes en train d'élaborer notre budget. Nous avons trouvé bon d'écouter les forces vives, ceux qui constituent Marcory, les écouter pour prendre simplement en compte leurs préoccupations dans notre triennale. Installée depuis le 17 juin 2013 à la tête de Marcory, une commune de plus de 500 000 habitants, Abi Akrobou Raoul entend faire de sa circonscription la cité la plus chic du district d'Abidjan. Et pour y arriver, il compte bien collaborer avec ses administrés.